Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour déballer en direct avec vous la Beautiful Box du mois de juin qui est arrivée hier chez moi. Et ce mois-ci, la box se nomme la gélifiée, donc on peut dire qu'elle tombe à point nommé puisque là, les températures commencent à monter, il fait chaud. Donc un petit thème rafraîchissant avec des petits glaçons, citron, concombre, menthe. Je m'attends du coup à trouver des produits avec une texture gel, des produits avec un effet rafraîchissant et puis des senteurs assez rafraîchissantes du coup de concombre, citron ou menthe. Donc ça promet de sentir l'été sous ce couvercle et donc on va découvrir tout de suite sans plus tarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de cette Beautiful Box de juin. Donc le premier produit que je pioche, c'est un gel soyeux démaquille, nettoie, purifie de la marque Olive. Je ne connais pas du tout cette marque, jamais entendu parler. On nous dit que c'est un gel qui se transforme en une délicate mousse douce et fraîche, donc à utiliser le soir pour éliminer le maquillage et les impuretés. Ou on peut aussi l'utiliser pour nettoyer sa peau le matin. Donc ouais, pour moi ça sera un produit que j'utiliserai comme nettoyant visage, donc en deuxième étape. Je pense que j'utiliserai d'abord une huile démaquillante et puis ensuite le gel. C'est un tube de 100 ml et au niveau de l'odeur, je sens pas grand chose. Ah si, ça y est, je sens une odeur de plante, donc une odeur qui est tout à fait dans le thème et une texture gel, donc tout à fait dans le thème gélifié. Premier produit très bien, ça sera toujours utile ça. Le second produit que je trouve, c'est de la marque Hydroxyderm, je ne connais pas non plus. Gel d'eau hydratant antioxydant, tout type de peau. Et c'est un produit pour le visage, ça fait 30 ml. On nous dit d'appliquer le gel d'eau matin et ou soir sur le visage et sur le cou sans rincer. Ou alors on peut aussi appliquer le gel en couche épaisse comme un masque, laisser agir 15 minutes et rincer. Mais bon, si on l'utilise en masque en faisant des couches épaisses, le petit tube il va vite descendre. Alors bon, là j'avoue que je comprends pas trop exactement ce que c'est. Juste un truc gélifié pour apporter de l'eau, de l'hydratation à la peau. Peut-être plus s'en servir comme un sérum et puis appliquer une crème après. Je sais pas trop, c'est la première fois que je me retrouve devant ce type de produit, donc je lirai sur la petite carte qui explique comment l'utiliser après. On passe au troisième produit. Alors ça c'est le produit qui est réservé aux personnes qui étaient déjà abonnées le mois précédent. Beautiful Box récompense toujours les abonnés fidèles, donc si vous restez abonné à la box, vous avez toujours un produit bonus en cadeau. Et ce mois-ci, c'est un gel nettoyant intime de la marque Essence. Un gel nettoyant intime à l'aloe vera bio. Et c'est un produit qui est aussi vegan. Et c'est un tube de 100 ml. Je connais pas cette marque. Et ça change de recevoir ce type de produit. Moi, je trouve ça bien. Et puis, c'est très très utile aussi. C'est important aussi de prendre soin de cette partie de son corps et d'utiliser des produits spécifiques. Je ne conseille pas du tout de se laver les parties intimes avec les gels douches de supermarché qui contiennent du parfum, des savons et qui peuvent irriter plus qu'autre chose. Là c'est un produit qui ne contient pas de savon, il y a une bonne composition. Donc c'est cool, je suis contente d'avoir reçu ce produit. Le quatrième produit que j'attrape, c'est pas très gros, c'est un petit tube, ça doit être du maquillage peut-être. Un sérum tonifiant pour les cils de la marque DWTN Paris. On a déjà reçu plusieurs fois des produits de cette marque, notamment un fard à paupières liquide que j'aime beaucoup. Donc là du coup c'est un soin pour les cils qui permet de les tonifier visiblement. Et ça tombe très bien parce que j'utilise ce genre de soin et le tube que j'ai il est quasi terminé. Donc c'est bien, j'ai un petit remplaçant. Je vais pouvoir très vite le tester et puis encore une fois c'est un type de produit qu'on ne retrouve pas souvent, c'est assez rare. Ça change donc c'est cool, ça me convient, j'adore. Cinquième produit de cette box, c'est un gel solaire transparent haute protection SPF 30 pour le visage de la marque UV Bio. C'est un petit tube qui fait 30 ml, donc une crème solaire spéciale pour le visage. Et donc non, pas une crème solaire visiblement, c'est une texture gel, hein, c'est marqué gel solaire. 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 47% issus de l'agriculture biologique. Un produit vegan aussi. Donc super, c'est tout à fait dans le thème aussi, c'est bien pratique avec l'été qui est là maintenant, donc franchement super. Et il y a un sixième produit, oh trop marrant, regardez-moi ça, des petites lunettes en forme de rondelles de concombre. Je pense que ça va mettre au frigo, il doit y avoir un gel dedans et du coup
vous le mettez au frigo et puis après vous mettez ça sur vos yeux pour rafraîchir, pour décongestionner si vous avez les yeux gonflés. Il y a un petit élastique pour le faire tenir autour de la tête. Je pense que c'est un petit produit, petit gadget, accessoire, bonus. C'est plutôt sympa, j'avais pas de produit comme ça, donc bah, ma foi, hein, je testerai. Je pense que ça peut faire du bien ouais, quand il fait très chaud de se mettre ça sur les yeux. Ça doit être sympa. Donc voilà, c'est bien ça. Sur le menu, on nous dit que ce sont uniquement des produits sous forme de gel. Gel nettoyant, démaquillant, gel intime, gel solaire, gel d'eau hydratant, le masque en gel décongestionnant pour les yeux et le sérum est sous forme de gel aussi, le sérum pour les cils. Donc franchement, je suis très contente de cette box encore une fois. J'aime beaucoup le contenu qui est tout à fait dans le thème. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez Beautiful Box, ils arrivent toujours à trouver des thèmes originaux, très sympas et à proposer un contenu qui respecte vraiment bien ce thème. Ensuite, un petit coup d'œil sur les prix comme d'habitude. Le gel démaquillant, il est à 19€. Le gel nettoyant intime, 14€. Le gel solaire pour le visage, 19,90€. Le gel d'eau hydratant pour la peau, 13,90€. Et le sérum pour les cils, 22€. Bon bah sur la carte, pour le petit gel d'eau là pour le visage, on n'en apprend pas plus que ça finalement. C'est un soin qui régénère la peau et qui doit apporter confort, hydratation et protection. Texture gélifiée qui apporte une note de fraîcheur discrète et agréable. Mais du coup ça m'intrigue. Je pense pas que ça fasse comme une crème. Si c'est vraiment de l'eau, ça va être immédiatement absorbé par la peau. Donc ouais, je pense que c'est plus à utiliser comme un sérum, faut peut-être quand même mettre une crème après. Faut que je regarde la texture sur ma main là, parce que ça m'intrigue trop ce produit, je le connais pas du tout. Voilà un petit aperçu de la texture. Alors, quand on masque, qu'est-ce que ça fait? Ah ouais, c'est agréable. Bon, ça a l'air sympa à masser, c'est vite absorbé par la peau, hein, donc ouais, je pense qu'il faut quand même mettre une crème après. Ça a pas l'air de laisser de film collant, donc ouais, peut-être à utiliser ouais, comme un bon sérum hydratant. Je pense que moi je mettrais peut-être quand même une crème après, à moins que ça suffise pour l'été quand il fait très chaud en période de canicule. À voir, mais bon, c'est sympa en tout cas. Donc voilà pour ce contenu 100% gélifié. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce contenu, ce que ça vous inspire. Moi franchement je suis très contente, hein. Comme d'habitude je ne me lasse pas de cette box, je crois que je vous le répète à chaque fois. Et pour le mois prochain, la box de juillet, le produit qui sera offert pour les personnes qui restent abonnées, c'est un gommage pour le corps, gommage plaisir corps de la marque Guérande, je suppose. Voilà à quoi ça ressemble et ben, un gommage corps, moi ça me va très bien, j'aime beaucoup tester ce type de produit. J'espère que cette vidéo et ce petit moment passé avec moi vous auront plu et puis ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles, ciao !